Et voici Caoborus cristallinus. C'est un moustique. Nous voyons ici un banc d'individus assez dispersés, nageant dans la rivière. Le corps se tient horizontalement, contrairement aux autres espèces de moustiques dont la larve et la nymphe se tiennent verticalement. Les vues au microscope nous montrent un individu grossi d'abord 20 fois, puis 50 fois.